Bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui pour le 32e épisode de la carrière Project Cars dans une pitlane bien détrempée. Il pleut à Imola pour cette séance qualificative qui sera la seule partie de la vidéo commentée en aval de ce qui s'est passé. Elle n'est pas en direct pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à Monaco alors que l'on va bien procéder au tour rapide d'ici quelques instants. Je vais laisser le tour de sortie pour que voilà, vous voyez un petit peu comment je chauffe la voiture. Mais surtout, vous expliquer qu'il y a eu un petit souci. En fait, le week-end de Monaco a dû être annulé parce que je m'étais qualifié 5e ou 6e sur la grille. Et malheureusement, eh bien, le jeu est inapte à supporter 20 voitures de Formule B sur le circuit de Monte Carlo sans bien planter. C'est-à-dire, pas un souci technique, le jeu est très stable. C'est juste que l'IA eh bien, percute les murs partout, même à 90. C'est-à-dire que c'est impossible de prendre un départ propre et de commenter quelque chose de correct sans eh bien, qu'on tape dans tous les sens. J'ai essayé avec les dégâts, j'ai dû les désactiver. Ensuite, j'ai activé les assistances pour réussir à me débattre face aux adversaires qui me tapaient dedans. Une fois de plus, j'ai pas pu me défendre non plus parce que il y avait vraiment un souci à ce niveau-là. C'est que à l'épingle du Loves, au freinage de Mirabeau et à la chicane du port, constamment, l'IA se bloquait et soit je me retrouvais seul en tête, soit j'étais pris dans un atroce accrochage. Donc c'est pour cela qu'on a décidé, pour ne pas vous proposer quelque chose de mauvaise qualité, eh bien, passer ce week-end. Et vous avez vu, donc on est deuxième au championnat. Cela étant dit, on va maintenant se concentrer sur ce week-end d'Imola. Donc on va repasser en commentaire en direct pour les deux manches, mais on va juste terminer ensemble la qualification en post-commentary. Allez, donc on s'élance pour eh bien, une qualification sous la pluie. C'est une des premières fois, je crois, avec ces Formule B où on doit monter les gommes rainurées. Et on va déclencher notre chrono un petit peu plus loin. C'est ici que ça se passe. Voilà, c'est parti pour ce tour rapide ici à Imola avec des pneus qui ne sont pas encore en température optimale. On va freiner pour le S de Tamburello. Je rappelle qu'on pilote sans assistance dans ces week-ends de course. La sortie du S de Tamburello qui fête ses 20 ans. Il y a 20 ans que le circuit avait été modifié suite au tragique week-end où nous avons perdu Ayrton Senna et Roland Ratzenberger. Ici on passe dans la chicane basse. On va commencer à freiner vers l'épingle de la Tosa. Très difficile de réaccélérer ici. La voiture a tendance à très vite patiner si vous êtes particulièrement sur le vibreur. Et on est en train d'entrer un très bon premier chrono tout simplement parce que nous sommes les premiers à nous être lancés en piste. Le gauche de Rivazza ici qui se prend en quatrième pour être un petit peu plus souple sur la réaccélération et ne pas risquer de patiner sur l'AstroTurf. Ici un demi-virage préféré à Aqua Minerale et on jette la voiture, on tombe de rapport ou 3 selon. Et à la relance, voilà, on doit relancer toute la mécanique jusqu'à la montée de la chicane haute qui se prend en première ou en seconde. C'est selon le réglage de votre boîte de vitesse. Pour moi, ici, ce sera en première pour essayer de réaccélérer un peu plus tôt et ne pas aller surtout mettre les deux roues sur l'AstroTurf qui pourrait envoyer la voiture en tête à queue. Et on descend maintenant vers les deux gauches du bas du circuit. Très technique ici, il faut freiner jusqu'en deuxième, monter sur le vibreur mais ne pas partir trop à droite parce que le bac à gravier n'est pas très loin. Et lorsque vous êtes en bagarre, ça peut vous poser problème. On termine le tour rapide maintenant en utilisant le Kers pour en profiter pendant un maximum de temps ce tour-ci avec la longue ligne droite qui n'est pas très droite. Et on va franchir le drapeau à damier maintenant avec la première place qui nous est attribuée. Pole position, ça faisait longtemps. Nous sommes en 1.33.794 devant Sertomsen. Attention, Lucas de Belder 3e et David Martinez 4e. Notre équipier Gary Sprouse est 6e. Et on se retrouve tout de suite pour la première course commentée en direct. C'est parti! Okay, mate, time to focus on those lights. Let's get a clean getaway and defend that pole position. Green. Go. Et c'est un excellent envol que l'on vient de prendre ici à Imola. Et on va virer en tête si tout se passe bien au niveau DS2 Tamburello. Quoique non, Sertomsen a décidé de couper par l'herbe et surprend tout le monde en prenant la tête de course. On s'en sort bien, on est devant Tudor Lefferman, un pilote très dangereux au général. Et il va falloir faire avec cette voiture assez difficile à piloter évidemment. On vous explique dans un instant pourquoi. Premier passage au niveau de la Tosa, difficile de relancer. Et Sertomsen qui commence à s'enfuir. Derrière il y a eu du dégât avec plusieurs voitures qui ont décidé d'aller mettre deux roues plus dans le gravier et l'herbe. Premier passage à Rivazza, ça se passe bien. Gros survirage qu'on a réussi à maintenir. Une voiture difficile à piloter dans ces conditions, mais qui n'est pas incapable d'aller chercher la tête de course. Première fois, dans le passage d'Aqua Minerale. Il a chicane haute maintenant. Est-ce qu'on peut aller chercher déjà Sertomsen? Attention,
Et la voiture qui a eu beaucoup de mal à s'élancer au départ, mais qui maintenant est bien plus pilotable. À nous maintenant de ne pas laisser s'enfuir Thomsen. On va conclure avec ces deux gauches le premier tour ici à Imola. On va pouvoir déjà profiter de l'aide de ce Kers si précieux. Le voici, voilà. Et à la sortie, on balance tout. Et regardez l'écart que l'on met déjà avec Tudor Lefferman derrière nous. Nous avons une vitesse de pointe assez hallucinante ici à Imola. Donc les setups faits sans roulage puisque bien sûr il pleuvait en qualification. 7. Va-t-on aller chercher Serge Thomsen pour la tête de course? Alors, autre précision. Vous avez vu qu'il pleuvait lors de ce week-end d'Imola en qualification. On annonce de la pluie également pour les deux courses. Et pour l'instant, on voit mal comment eh bien, les trombes d'eau pourraient perturber ce ciel bleu au-dessus de Saint-Marin. Mais restons vigilants, vous le savez comme moi. Si vous suivez cette carrière Project Cars, les changements de météo, ça arrive très vite. Et on va guetter au fur et à mesure de la course si eh bien, les nuages s'accumulent ou pas au-dessus du circuit Enzo et Dino Ferrari. Pour l'instant, ça se passe bien. On a une menace derrière qui s'appelle Tudor Lefferman. Mais pour l'instant, pas de quoi paniquer. On va rester en troisième au passage d'Aqua Minerali pour éviter de partir en tête à queue sur ce traître vibreur à gauche. La chicane haute à nouveau, on s'en sort bien ici, on réaccélère obligatoirement sur l'AstroTurf, c'est la règle pour tout le monde. Il n'y a pas d'avance. Logiquement, comme nous sommes dans un tour lancé, on améliore notre secteur. Ce sera le cas sur les trois secteurs lors de ce deuxième tour. Et attention parce que là, il va y avoir des possibilités de dépassement. Derrière nous, restez attentifs à ce qui se passe dans le rétroviseur. C'est là que l'action se passe derrière nous. Et Gary Sprouse, parti 6ème sur la grille, est en train peut-être de perdre quelques plumes dans la bataille. On ne sait pas où est notre équipier. Et on est pleine attaque ici dans les S de Tamburello. Accroché au vibreur. La voiture tient bien du train arrière, chose dont j'avais un peu peur après... Le changement de setup fait vraiment avec beaucoup de sécurité dans le comportement de la voiture. On n'a pas la voiture optimale aujourd'hui. La preuve encore avec ce passage très hasardeux sur le vibreur. Allez, l'épingle de la Tose à de nouveau. Regardez derrière, il y a du monde. Il y a du monde prêt à nous manger tout cru et à récupérer cette deuxième place. Notamment Tudor Lefferman. Très difficile de voir où se situent nos adversaires quand ils sont proches de nous. Puisque la caméra les place juste en dessous de la hauteur de notre rétroviseur. Il faut constamment jeter un coup d'œil, voir si quelqu'un ne vient pas se glisser entre nous et le dessous de notre rétroviseur. Il reste encore les petits rétroviseurs latéraux pour vous aider à suivre cette course. Et regardez la température au niveau du pneu arrière droit, ça commence à être chaud. Ça commence à chauffer, les conditions en effet auraient demandé un ajustement au niveau des pressions. En tout cas, on est assez rapide pour peut-être aller chercher notre adversaire direct. Serge Thomsen, l'équipier, on le rappelle, de Tudor Lefferman, grosse pression de la part des deux pilotes et grosse pression de la part de moi-même puisque là j'ai failli me mettre dedans tout seul comme un grand. Ça se passe bien, cette voiture qui sur le sec se comporte plutôt bien. Quelques dérobades du train arrière dans les virages un peu plus lents, mais c'est tout à fait normal avec un setup fait aussi à la hâte que ça. Et il va falloir penser à notre arrêt au stand. Regardez, il y a mine de rien des nuages qui passent dans le ciel. Pour l'instant rien de bien menaçant, mais ça commence à s'accumuler. Sur la partie droite de l'écran, vous allez le voir. Attention à Serge Thomsen qui est en train de ralentir là. On est en train de revenir facilement sur le pilote actuellement en tête. A-t-on la possibilité de rapidement porter une attaque? C'est ce qu'on va voir dans les prochains tours. Et on ne va pas stopper. On ne va pas stopper tout de suite. Pourquoi? À moins que le leader décide lui aussi de plonger dans les stands. On va se maintenir en piste pour l'instant parce qu'on a un bon rythme. Surtout sur ce tour-ci, je pense qu'on peut de nouveau inscrire un meilleur tour en course, ça ne m'étonnerait pas. On va voir ça d'ici quelques secondes.
En tout cas, il y a quelques pilotes qui arrivent à s'extraire du peloton. Et oui, on continue à bien tourner, donc pas de raison d'aller changer ces pneus tendres qui fonctionnent bien. Qui certes s'usent un peu, surtout quand je freine au panneau trop tard comme je viens de le faire, mais la voiture me permet d'attaquer et je me sens bien au volant, donc pas de raison pour l'instant d'aller opter pour des pneus. Oh, et regardez le gros coup de grisaille là au-dessus de nos têtes. Les nuages commencent à arriver et j'ai bien peur que ça ne continue. Pour l'instant, pas de panique. On pourrait avoir une manche 100% sur le sec. Hein. C'est ce qui risque d'ailleurs de se passer. Mais je reste quand même attentif à ce que nous réserve le ciel italien. Cette température au pneu arrière droit qui devient limite inquiétante. Et on va bientôt atteindre le cap de la mi-course à la fin de ce cinquième tour. En deuxième pour la chicanote, pas trop de risques. Hein. On joue le championnat, je vous rappelle, après le zéro pointé de Monaco. Il va falloir ramener de gros points. On rappelle également que le pilote le plus rapide sur chacune des deux manches, qui est donc inscrit le tour le plus rapide en course, eh bien, se verra adjuger des points supplémentaires de, si je ne dis pas trop de bêtises. Allez, on relance une nouvelle fois au Kers pour la ligne droite des stands, partie la plus rapide de ce tracé d'Imola depuis les changements effectués en 95. C'est de nouveau en fond de 6ème et 2 dixièmes de retard, peut-être quelques peu de micro-erreurs qui nous ont fait rouler un petit peu moins vite. En tout cas, on ne s'en prive pas d'attaquer. Regardez hein, ce premier secteur qui parfois est voilà ici sous certains nuages. Je reste extrêmement attentif à la carrosserie de ma voiture si quelques gouttes viennent à tomber dessus. Parce qu'un box pourrait nous faire gagner beaucoup de choses s'il se mettait à pleuvoir, voire même gagner la course. On n'en est pas encore là, mais ce sont des possibilités à ne pas négliger. Et qu'est-ce qu'elle est facile à conduire cette voiture quand on y va avec le bon rythme. Si j'avais eu des réglages 100% sec, ça aurait été encore plus agréable à piloter. Alors, va-t-on observer un arrêt? Regardez les nuages qui continuent à arriver. Le ciel est de plus en plus gris. Il y a encore des zones où on est épargné par les accumulations. Mais là, ça commence à devenir difficile. Et attention, l'arrêt au stand pour le leader. Arrêt au stand pour le leader. Et c'est le seul. Ah non, derrière tout le monde stop, on va être les seuls en piste. Et regardez ce ciel! Oh là là, le ciel qui commence à être vraiment menaçant au-dessus d'Imola. Oui, ça y est, il pleut! Ah, on a rentré la voiture un tour trop tard. C'est dommage, on n'a pas été prévenu par l'ingénieur. Oh là là, on est seul sous la pluie. Et je ne sais pas si... Alors là, il y a une chance qu'on s'en sorte. Une seule chance. C'est que ceux qui n'ont pas opté pour les pneus plus haut box doivent repasser par les stands. Et pour l'instant, il ne pleut pas de trop. Ouais, ça glisse quand même. Vous le voyez ici à Rivazza. On va prendre beaucoup de précautions. Jusqu'à la fin de ce tour. Et oui, au niveau des freinages, ça bloque plus facilement aussi. Ah, la voiture qui glisse beaucoup. Et c'est incroyable parce qu'il y a peu d'eau. Mais là, voilà, ça y est, là il pleut vraiment. L'averse est présente. On est en troisième à la chicane haute. On perd beaucoup de temps. Mais il faut passer sans partir en tête à queue. Et là, il va falloir opter pour les box maintenant. Et monter des pneus adaptés aux conditions. Est-ce qu'on va déjà monter des intermédiaires? J'ai peur que ça cesse en fait et qu'on se fasse avoir. Mais... continuer, on perdrait trop de temps, donc on va opter pour les box. Et on rentre au box et on va monter des pneus pluie, les amis. Il faut monter des gommes humides, c'est ce qui nous attend. Et il n'y a pas grand monde, regardez, on va être peut-être deux ou trois au box, donc c'est là que ça se joue. Allez, il faut espérer maintenant que cet arrêt se passe bien. Et on repart, et on n'a pas été gêné du tout.
Et là, on a les bonnes gommes. Et là, on a les bonnes gommes. Alors, on va être 3 à les avoir. Ici, on va repartir peut-être juste derrière moi. Oui, voilà. Donc, c'est Thomas Lloyd qui, également, a fait un bon arrêt. Et il va nous rester les 3 derniers tours de cette manche d'Imola pour faire la différence. Et on a les bons pneus. Alors, attention à la relance. On va tout de suite passer. Voilà, en deuxième. Et attention parce que là on est quatrième. On est quatrième, on a perdu 2 positions, mais on a les bonnes gommes. On a les bonnes gommes. Alors va-t-il y avoir la possibilité pour eux de tenir 3 tours avec ces gommes-là? Je vois mal nos amis, toutes IA qu'ils sont, tenir 3 tours dans ces conditions. On va essayer, pour l'instant il n'y a pas trop de différence au niveau des performances, vous le voyez. Et je crains qu'ils aient monté également des pneus pluie. Je ne vois pas bien les sculptures sur les pneus de la voiture devant moi. Et il faut se méfier d'un garçon, c'est celui qui est derrière, Thomas Lloyd. Non, je pense qu'ils n'ont pas les bons pneus, ils sont beaucoup trop lents. On a une réelle chance de remporter cette première manche ici à Imola. Eh oui, non, ils sont en pneus pluie pourtant. Ils sont en pneus pluie, en tout cas David Martinez est en gomme humide. Wow, la dérobade à la sortie d'Aqua Minerali. Et non, il est en bon pneu. Donc on se serait bien fait avoir. Ce serait bien notre veine. Alors là on est allé un petit peu au large, c'est pas grave. On y va. Et il garde l'extérieur David Martinez. Il nous empêche de passer. Ah là là, David Martinez qui nous prive de podium pour l'instant. Et ça y est, là vraiment la pluie s'est bien installée. Mais regardez la différence de vitesse de pointe avec Martinez. On peut porter une attaque sur le vibreur et au freinage. Ça devrait passer à Tamburello. Si on arrive à pas trop bloquer les roues. Et c'est passé. Nous sommes maintenant 3e de cette manche d'Imola derrière Lucas de Belder et Sir Thompson qui mène toujours la course. Évidemment, on a pratiqué le circuit de bien plus grande fois sous la pluie. Et Lucas de Belder qui est vraiment à l'arrêt face à notre voiture. Est-ce qu'on peut aller chercher la deuxième place qui était nôtre avant la session de pit stop? On va être très prudent, il n'y a pas de raison de se précipiter. On ne va pas se précipiter et on va même pas attaquer ici. On va laisser Lucas de Belder prendre la chicane et on va essayer de porter une attaque en sortie de chicane. Est-ce qu'à la relance, notre voiture peut faire la différence? Si pas, il suffira d'attendre la ligne droite des stands. Un peu de soleil dans ce troisième secteur. Oh, et là, il n'y a pas la place pour aller chercher Lucas de Belder. Qui reprend la bonne trajectoire. Il n'y en a qu'une et c'est celle-là. Regardez la différence en sortie de virage. Et regardez ça avec l'aide de l'aspiration. On déboîte. Oh, attention, là on est proche du mur. Et on prend la deuxième place, il est arrêté, Lucas de Belder. Alors est-ce que Sir Thompson va tenir ce dernier tour? Ou va-t-on aller remporter dans les derniers hectomètres cette manche? Ça risque d'être difficile, mais on va tout donner. Wow, là, survirage, magnifique, on a récupéré la voiture. Oh, c'était très tendu cette histoire. Et attention, parce que là, j'ai perdu totalement mon rythme. On va se faire toucher si ça continue par Lucas de Belder. Et on est rapide, mais a-t-on l'occasion d'aller chercher nos petits camarades? Oui, j'ai utilisé le Kers plus tôt parce qu'on n'aura pas le temps de l'utiliser dans la ligne droite des stands. Et c'est maintenant que j'ai besoin de cette aide pour me rapprocher de Sir Thompson, leader solide depuis le premier virage de cette première manche. Et on est proche, attention ici, grosse dérobade sur le vibreur. De nouveau, est-ce qu'on peut la tenir? Non, on est allé à la faute, il faut repartir vite. Est-ce qu'on va pas se calmer et récupérer cette deuxième place qui serait déjà un bel effort? La deuxième place semble maintenant nous être allouée. Attention peut-être à l'attaque de Lucas de Belder. Non, qui lui aura peut-être le Kers qu'on a plus. Alors on a mal joué le coup, on pensait qu'on allait être plus fort, mais non, la victoire sera bel et bien
Oh, attention, il va falloir bloquer Lucas de Belder sur la chicane. Il est bien sorti. Lucas de Belder et victoire donc de Serre Thompson. Et nous terminons deuxième de cette première manche. Très difficile ici à Imola. Avec des conditions bien spécifiques. On va voir un petit peu où on en est au niveau du classement. Avec eh bien 18 points et 27 points pour donc Serre Thompson qui aura pris les points du meilleur tour. On est donc maintenant 75 points, 70 points pour Brian Farney donc qui n'a pas marqué de points dans cette première affrontement de ce week-end sur le circuit Enzo Dino Ferrari. Et notre équipier Gary Sprouse 3ème donc. Et Serre Thompson monte 7ème grâce à cette victoire. Et on continue maintenant avec la deuxième course. Et la deuxième manche vient de débuter ici à Imola avec un très mauvais départ. On se fait doubler par Forest Herve. On est 9ème. Il va falloir trouver le moyen de dépasser certains pilotes là parce qu'il y a des points à prendre dans cette deuxième manche. Qui ne compte que 7 tours et c'est bien parti. Ah, difficile de réaccélérer à l'intérieur, vous vous doutez bien. Il n'y avait pas forcément la place pour réaccélérer bien en ligne. Et là, on est pas mal par rapport aux autres qui nous ralentissent un peu. Gros survirage à Rivazza. Attention, peut-être une attaque. Et derrière, non, on protège bien. Alors on est allé un petit peu goûter aux abords de la piste que la direction de course a eu la gentillesse de nous faire remarquer. Allez, premier tour bouclé ici. On joue du Kers. Et attention, devant il y a de l'attaque. Hein. Il y a de l'attaque, on n'est pas les seuls à en jouer. Regardez la différence de vitesse, on est beaucoup plus rapide qu'eux. Et on va aller chercher déjà une place, peut-être une deuxième ici avec Serre Thompson. Et peut-être une troisième, on va y aller. Allons-y, et on touche De Belder. Non, c'était Serre Thompson, non, c'était David Martinez, pardon. De Belder, c'est la voiture jaune qui était devant nous. On était un petit peu optimiste et David Martinez a eu la présence d'esprit d'ouvrir la trajectoire pour éviter le contact qu'il y a malgré tout eu lieu. Allez, Serre Thompson derrière nous, on a fait un beau move là. Et Serre Thompson qui à son tour nous fait l'intérieur à la Tosa. On est côte à côte avec Serre Thompson. Est-ce qu'il va passer à Rivazza ou est-ce qu'on peut se défendre? On reste devant. 7ème place pour nous maintenant. Grosse dérobade à nouveau. Et deux petits trous dans la rigole. Ça, c'était pas le mieux à faire pour nous. Et de nouveau, il fait très sombre dans ce troisième secteur. Mais pour l'instant, ça reste peu menaçant. Des nouvelles menaces de pluie pour cette deuxième manche. On vous l'a dit tout à l'heure que ça allait durer tout le week-end. Mais on est peut-être bien placé à nouveau pour porter une attaque ici. On se place bien. Le Kers. Et dans cette longue ligne droite qui termine le troisième secteur et qui nous ramène jusqu'à la chicane de Tamburello, on a de quoi faire respirer. Ce bloc de Formule B, elle est peut-être à pas ce tour-ci, elle est portée une attaque, mais bien se rapprocher en tout cas. Ouais, et là, faire une belle erreur aussi. J'étais bien en dérobade au niveau de l'arrière au freinage. Attention, la voiture qui balade beaucoup. Voilà, la voiture qui a totalement changé de comportement. Voilà, j'ai un train arrière qui est nulle part. Peut-être un peu trop refroidi les pneus arrière dans cette ligne droite. Ouais, on est malgré tout plus rapide, mais je me suis fait très peur dans ce premier secteur.
Et on est de nouveau bien derrière David Martinez qui nous ralentit plus qu'autre chose. Et le contact au freinage avec l'arrière de la voiture de David Martinez qui est beaucoup trop lent et qui nous empêche d'aller attaquer Lucas de Belder, la voiture jaune juste devant lui. Est-ce que David Martinez va céder dans cette ligne droite? C'est pas impossible. Your pace is dropping in and out a little bit. Try and refocus, line up some good, strong, consistent lap times. Et non, pas encore la possibilité d'aller attaquer ce diable de David Martinez. Qui nous empêche toujours de nous rapprocher des points, de plus gros points du moins. On est proche. Athos a évidemment, vous le savez, cet effet élastique qui rapproche les voitures au freinage et ensuite à l'arrêt accélération, eh bien, le pilote à l'avant récupère de l'avantage. Du moins, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Et là, on a sous-viré. Je me demande s'il n'y avait pas quelques gouttes là sur l'écran. Et oui, deuxième avertissement concernant les limites de la piste. Là, on pilote un petit peu de manière agressive, mais on s'énerve évidemment. On est bloqué derrière David Martinez qui ne protège pas l'intérieur. Ça va peut-être lui être fatal. Là, on est à la chicane. Est-ce que David Martinez a abdiqué? Non, il est toujours devant. Est-ce que David Martinez va nous laisser gagner cette sixième place? On va réessayer à l'extérieur. Et il nous laisse peu de place. Il nous avait laissé trop peu de place. Et on va se faire avoir par Sir Thompson. Voilà. David Martinez qui nous met en victime de son manque de vitesse. Allez, l'aspiration peut-être de Sir Thompson qui va nous aider à aller chercher après David Martinez. Et regardez, on est tout au bout du moteur, de la plage du régime. On y va, tant pis. On plonge et ça ne passe pas. Il fallait absolument tenter, c'est pas possible autrement. Mais tel certains pilotes, on avait de la patience, mais là, ce David Martinez l'avait bien entamé. Et il fallait trouver une solution pour faire sauter le bouchon David Martinez parce que là, il fallait faire comprendre au garçon qu'il était trop lent pour nous. Attention, on est déjà dans le cinquième des sept tours que comprend cette deuxième manche. Le soleil semble revenu après quelques passages nuageux. Et maintenant, on a donc affaire à Sir Thompson, vainqueur de la première manche de ce week-end de Imola. Mais le rythme de David Martinez était trop lent. Et il fallait porter cette attaque, sinon ça allait être une répétition incessante de cette situation à chaque tour. Et c'est vrai que dans l'histoire, il y a eu pas mal de contacts où les pilotes ont tout simplement craqué par manque de patience. Il faut rattraper Sir Thompson. Qui lui-même revient. Regardez, on est en train de revenir à deux. On s'entraide finalement à revenir sur Tudor Lefferman et sur ses camarades, notamment Lucas de Belder, voiture jaune. Parce que devant Lucas de Belder, c'est, je crois, Tudor Lefferman. Avant-dernier tour de course, bientôt la dernière boucle. On va y être dans cette dernière boucle maintenant.
peut-on se rapprocher de la 7ème place de Serre Thompson? Ou va-t-on être condamné à terminer à cette 7ème place? Il va rester peu d'occasions d'attaquer. Et on inscrit le meilleur entour de cette course à titre personnel. Les derniers passages dans ce deuxième secteur qui nous sied bien. He's slower than you in certain sections. Keep pushing and try and take him under braking into the slow corners. Regardez avec quelques tours de plus ce qu'on aurait peut-être pu faire. On est revenu au contact des pilotes devant nous, mais c'est trop tard. Le manque de tours va nous être fatal. Et on ne pourra pas aller chercher la 6ème place qui reviendra donc à Serre Thompson. Mais il fallait expliquer à David Martinez comment ça se passait. Et voilà, c'est maintenant terminé. Et on conclut cette deuxième manche devant ce fameux Martinez, la victoire donc pour Wysocki, un petit nouveau. Et attention à la deuxième place de Gary Sprouse qui pourrait faire beaucoup de mal au général. Le général, on en parle, voici les résultats donc. Et c'est donc Serre Thompson qui a fait le meilleur tour dans la première course. Et nous étions Pollman, ce qui nous amorte 4 points et 2 points pour le tour le plus rapide dans la seconde manche. Alors, le classement général, eh bien, nous sommes 9 points devant Brian Farney qui a disparu des tableaux, des résultats de cette manche à d'Imola. Quatrième place donc pour De Belder qui termine derrière Gary Sprouse pour l'instant. Raghavan Bou se maintient 5ème, Tudor Lefferman qui fait une bonne deuxième partie de saison et 6ème. Et le premier vainqueur du jour, Jonas Serre Thompson, est 8ème au général. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière Project Cars. On se dit rendez-vous très vite, c'est promis, pour la suite de nos aventures dans ce championnat de Formule B. Merci à tous pour votre fidélité. Bon amusement en piste, les amis. Salut !